Je pourrais pas vous dire sûr, c'est Michel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de caractéristiques ressemblantes par rapport à ce qu'on avait dû évoquer la dernière fois, parce que j'ai des images de déjà-vu. Oui. Mais Michel n'est pas totalement libre actuellement, Laurence. Pas vraiment, non. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est pas tout de suite que ça va se faire. Mais effectivement, Michel est dans une démarche avec vous, dans une démarche, il a vraiment envie de mettre en place quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà attiré par vous. Il y a déjà quelque chose qui se crée entre vous. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, hein? Oui, mais il y a quelque chose déjà qui existe entre vous. D'accord. En termes On s'est jamais vu. d'échange, de communication, de partage, c'est quelque chose là. D'accord. Parce que si vous voulez, c'est une personne que je. Comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai des nouvelles, mais on ne s'est jamais vu, nous n'avons jamais discuté, rien. D'accord. Alors, moi, je ne peux pas être sûr à 100% que ce soit Michel. Effectivement, il a ce que j'appelle des caractéristiques qui ressemblent. Oui. Mais pour moi, je n'aurais pas cet aspect de vous dire je suis sûr à 100% que c'est Michel. Il y a quelque chose qui me dérange là dans cette situation, c'est que j'ai l'impression que, en termes de visuel, vous allez être un petit peu déçu. Oui, je pense. Pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose à vivre avec Michel, mais je n'ai pas ce sentiment que ce soit quelque chose au long terme, au très long terme. Je ne suis pas sûr que ce soit la personne qu'on avait évoquée la dernière fois. Franchement. Bon. Et j'ai un autre prénom, je peux Oui, vous. allez-y. Alors, Jean-Pierre, il doit être du 28 ou 29 avril 54. De toute façon, c'est quelqu'un, a priori, que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà échangé, hein, votre relation à Oui, long terme. Hein. oui, oui. Moi, j'ai plus quelque chose de positif là avec Jean-Pierre. Moi, j'ai plus un Jean-Pierre qui est dans une construction, dans quelque chose de positif. Moi, ça me parle plus, Jean-Pierre. Parce qu'il me contacte, bon, moi j'essaie de le recontacter, mais j'ai aucune, je veux dire, il coupe son téléphone, j'ai aucune nouvelle. Pour l'instant, mais pour moi, j'ai plus quelque chose entre octobre et décembre là. Et ce serait lui qui me recontacterait, à votre avis? À première vue, c'est vous qui le recontactez sur octobre, et c'est là que ça engendre effectivement une relation au long terme, c'est-à-dire une reprise de communication et une relation au long terme. Moi, en tout cas, Jean-Pierre me parle beaucoup plus que Michel, hein. Là, Jean-Pierre est en repli, en recul, mais c'est les effets de son année précédente où il était en rupture, en conflit avec lui-même. Mais je n'ai pas quelque chose au long terme. Vous n'avez pas quelque chose en long terme avec Jean-Pierre, alors? Moi, j'ai plus quelque chose qui correspond avec Jean-Pierre plutôt que Michel. Pour moi, c'est plus Jean-Pierre, hein, qui est vers vous. Et est-ce que vous me voyez partir avec lui dans le sud? Ben, de toute façon, vous avez un déménagement qui doit s'opérer à partir de l'année prochaine, Laurence. Donc, effectivement, moi, ce que vous me parlez dans le sud, on est d'accord, c'est plus la région Languedoc-Roussillon, Côte d'Azur. Oui. Ah donc moi, pour moi, c'est plus cette région-là qui vous correspond à vous. Et lui serait d'accord, à votre avis, ce serait ça serait vraiment quelque chose de voulu pour nous deux? C'est une demande de la part de Jean-Pierre pour moi. D'accord. Donc si vous voulez, là effectivement, vous êtes dans une rupture de communication, on n'a pas quelque chose de très concret qui se met en place. Mais pour moi, c'est plus Jean-Pierre qui va vous permettre quelque chose de concret au long terme. Mais c'est plus sur la fin de l'année. Et c'est après en 2014 que vous allez construire tout ça. Parce que ça fait 4 ans que j'ai plus de nouvelles de lui, hein. C'est pas quelque chose qui me pose problème. De toute façon, lui, il était en rupture avec son passé l'année dernière, jusqu'au printemps 2013, pardon. Donc il fallait qu'il en passe par là pour pouvoir avancer. Donc vous pensez que c'est moi qui dois le recontacter? Sur le mois d'octobre, à peu près, hein. Parce que c'est pas quelqu'un de facile, hein. Ben vous non plus, Nous, Laurence. moi non plus, non, non, exactement. Justement, le problème est là, c'est que, en fait, on est vraiment bien ensemble, si vous voulez, mais on n'est pas facile du Ben tout, ni oui, vous l'un ni êtes deux l'autre. têtes dures, mais justement, je pense que Michel ne correspondait pas en termes de caractère. Donc moi, j'ai plus D'accord. Jean-Pierre. Alors, restez positive, Laurence. Bon. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Restez encore un petit peu patiente. Laissez les prochaines semaines avancer.
Bon, bah, je vous dirai quoi. Sans problème, Laurence. Alors, ne raccrochez pas, nous allons pouvoir essayer le fameux jeu de la carte. Peut-être que vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes gratuite. D'accord. Alors, quel est le chiffre de cette carte qui est retournée juste ici? Le 7. Alors non, ce n'est pas le 7, c'est un petit peu plus bas. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Laurence. Restez positive et tout va bien se passer. Merci à vous, Thomas. Je vous embrasse, à très bientôt. Bien fort. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle une seule chose à faire ce soir. Je vous attends au 3255, puis la touche étoile, ne l'oubliez pas. Et vous arriverez en direct sur ce plateau. Vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Alors, composez le 3255 pendant que moi, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour, bonjour Thomas. Bonsoir, bienvenue. Votre prénom, s'il vous plaît. Laura. Laurence. Laura. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. 26-10-1989. 82, c'est ça? 89. 89, excusez-moi, je suis un peu dur de la feuille ce soir. Alors, quelle est votre question? Je voulais savoir en fait sur ma vie sentimentale en fait. D'accord, aujourd'hui j'ai une personne autour de vous, moi. Oui, j'ai mon conjoint, oui. Voilà, mais vous pouvez me donner son prénom s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Romain. Romain, ok. Alors c'est le 20 juillet 85. 85. Bah vous êtes perdu, vous êtes perdu. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Oui, c'est sûr. En fait, vous nous faites le coup du peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien que oui, il faut que je reste avec lui, peut-être bien que non, il faut pas que je reste avec lui. C'est carrément ça, en fait. Voilà, bah oui, on est dedans. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, on est d'accord. La difficulté, c'est que Romain n'a pas un caractère facile. Vous vous posez beaucoup de questions, régulièrement. Vous avez peur de ne pas être suffisamment aimé. Bah, ça vous fait rire, donc je dois être dans le vrai. Ouais. Ok, on est bon, on est d'accord. Bah oui, mais ça, vous savez, il n'y a pas que vous, hein. Vous n'êtes pas la seule sur Terre à être comme ça, il y en a d'autres, je vous rassure. D'accord. La difficulté qu'il y a avec Romain, c'est que je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait synchro. Hein? C'est pas grave, soyez patiente. C'est quelqu'un qui vous aime profondément, mais qui ne sait juste pas comment s'y prendre. D'accord. Parce que pour moi, si vous voulez, on n'est pas dans une période de rupture, d'accord, ni pour l'un, ni pour l'autre. D'accord, ok. On est justement dans une période d'interrogation pour tous les deux. Donc effectivement, ce n'est pas évident à gérer. Parce que, bah, tout simplement, voilà, peut-être je peux rester avec lui, peut-être non. Non, mais c'est vrai que puisqu'on a eu les jumeaux et tout, c'est vrai que bon, y a pas mal d'engueulades, pas mal de... Ben oui, parce que vous n'êtes plus femme et homme, vous êtes papa-maman. Et donc, femmes et hommes se sont perdus. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Pour moi, c'est l'automne qui est positif pour vous. D'accord. Ça fera moins d'un an que les jumeaux sont arrivés. Oui, c'est ça, oui, ils ont 10 mois, donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, vous devez prendre du temps pour tous les deux, pour vous retrouver. D'accord. Vous vous aimez toujours profondément, il n'y a pas de souci, sauf que l'amour est... bien enfoui au fond, là, voilà, comme ça. Et puis, on a la colère parce qu'on est tendu avec les enfants, parce que des jumeaux, c'est pas facile. Enfin, je suis pas encore père, mais il me semble bien que des jumeaux, c'est pas très facile. Non, c'est sûr. Hein, parce que, en même temps, vous les avez fait en même temps, ils sont arrivés en même temps, donc ils ont les difficultés, soit en même temps, soit juste l'un après l'autre. Donc, il faut jongler avec les biberons, les machins, les trucs, sur... voilà, je referai pas les choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vous êtes juste mis dans votre rôle de parent, mais plus d'hommes et femmes, de couple. Vous vous êtes juste perdu. C'est pas grave, vous allez vous retrouver, l'automne sera bien pour vous. Je pense maintenant que je peux vous donner un grand conseil, c'est de prendre un week-end ou 3 jours successifs pour vous. D'accord. Pour vous retrouver, sortir de la maison et être tous les deux dans un endroit neutre pour vous retrouver. D'accord. Et je voulais vous demander, parce qu'en fait, j'avais en fait des vues, entre guillemets, sur un autre garçon. Et je voulais savoir, j'ai déjà indirectement répondu à votre question, mais donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, sa date de naissance, je la connais pas, mais c'est Jean-Manuel. Jean-Manuel, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je vais me permettre juste un petit commentaire. Allez-y. En fait, vous êtes en train de prendre la solution de facilité. Ça marche pas avec Romain, donc pourquoi pas voir ailleurs pour avoir quelque chose qui me corresponde. Ouais, c'est ça.
Je vais vous donner un autre conseil, si je puis me permettre. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Ça va vous apporter une chose, du conflit avec Romain. Et la deuxième chose, la conscience que de toute façon, vos sentiments sont pour Romain et pas pour quelqu'un d'autre. D'accord. Aujourd'hui, Jean-Manuel et vous, c'est l'échec assuré. D'accord. Donc, si vous voulez, je pense que c'est juste que vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de vous sentir aimé, puisque c'est votre problème de base. Et vous avez besoin de vous sentir femme, vivante, vibrante, et ainsi de suite. Vous avez besoin de vibrer dans votre relation sentimentale. Non, c'est carrément ça, en fait, c'est le fond, et vous ne vibrez pas avec Romain, parce que vous vous êtes juste mis en tant que parent, et non pas en tant que couple. D'accord. La routine s'est installée entre vous. C'est ça le problème, en fait. Hein? Alors, ouais. La routine égale tout le monde, hein? On y passe tous à un moment donné ou un autre. Mais là, je pense que vous avez les cartes en main pour réinstaurer quelque chose avec Romain. C'est pas facile, ça va pas être facile, ça va être une chose un peu compliquée à mettre en place, mais vous en êtes capable et vous avez la possibilité d'avancer sur une relation qui continue et qui perdure. Pour moi, c'est sûr. D'accord. Ok, d'accord. Donc, il faut absolument que vous soyez dans cette démarche de vous rappeler vos premiers moments. Les moments où vous rigoliez, où vous faisiez les fous ensemble, dans la rue, avec des amis, l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de garçon, voilà. Ouais, c'est loin tout ça, mais ouais. Hein? Il faut vraiment que vous vous remémoriez ça, parce que c'est important. Vous vous aimez réellement et profondément, sauf que vous vous êtes juste perdu. D'accord, ok, très bien. D'accord. Mais pour moi, vous avez réellement un avenir tous les deux. D'accord. Mais il faut se positionner en couple. Et non plus en papa-maman. D'accord, oui, c'est vrai. D'accord. Voilà, c'est pas toujours facile, mais vous allez y arriver. D'accord. En fait, je voulais vous dire félicitations pour votre mariage. Ah, c'est gentil, merci. Ah, mais c'est vous qui me suivez sur Facebook, j'y suis, ça y est. Merci beaucoup. C'est gentil, ça me touche beaucoup, merci. Merci pour l'attention. Alors, ma chère, vous avez la possibilité de trouver la carte devant moi qui vous permettrait peut-être de continuer la consultation pendant 10 minutes hors antenne gratuitement. Le 12. Alors non, ce n'est pas le 12, c'est un petit peu plus bas. En tout cas, je vous remercie pour votre gentillesse. Gardez le cap et merci encore de votre appel. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, ceux qui nous suivaient, vous avez appris un scoop. Eh bien, effectivement, pendant l'été, des choses se passent. Mais moi, ce qui m'importe ce soir, c'est que vous appeliez le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Mais que faites-vous? Notre saison est repartie pour l'émission confidentielle. Vous avez toujours la consultation de 10 minutes gratuite à gagner en trouvant cette carte du tarot de Marseille entre 1 et 22. C'est en dessous de 12 et de 7. Alors, composez rapidement le 3255, puis la touche étoile. Pendant ce temps, moi, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Francesca. Francesca, on s'est déjà eu. Non. Ah non, c'est la première fois. Alors, première fois. Pourtant, c'est un prénom qui n'est pas très commun, donc je pensais qu'on s'était déjà eu. Mais ce n'est pas grave. Je vous écoute pour votre date de naissance. Alors, je suis née le 4 octobre 1965. 65. Quelle est votre question ce soir? Plutôt sur mon avenir professionnel, parce que je suis à la recherche d'un emploi et j'aimerais bien savoir si je vais trouver quelque chose. Vous trouvez première quinzaine d'octobre et ça se signe deuxième quinzaine d'octobre plus tard. D'accord. Et ça sera de l'intérim, parce que d'habitude je fais de l'intérim. Ou est-ce que ça sera quelque chose... Non, j'ai pas d'intérim. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle par de l'intérim. Moi, l'intérim, c'est des missions de quelques jours, quelques semaines. C'est-à-dire que dans une entreprise, j'ai travaillé pendant 4 ans en intérim, et là, ils m'avaient rappelé l'année passée au mois d'octobre jusqu'en février de cette année. Oui. Et ils devaient me rappeler, mais... Parce que moi, en fait, si vous voulez, j'ai ce qu'on appelle un CDD. Oui. De 6 à 8 mois. Oui. Et qui se développe derrière sur un CDI. On est d'accord, votre poste que vous recherchez, c'est un poste de bureau. Non, moi, c'est plutôt dans... Je travaillais dans une usine. Moi, j'ai un poste de bureau. Ah. Je sais pas. Moi, j'ai un poste... Enfin, poste... Oui, c'est un poste de bureau parce que... je vous ai pas dans une usine à de l'assemblage ou ce genre de choses. C'est ce que je faisais pourtant. Écoutez-moi, vous avez d'autres capacités. Je pense que là, vous allez effectivement avoir quelque chose qui sera plus de bureau. Alors, effectivement, ça reste dans une usine. Il y a une idée d'industriel. Oui. Mais pour moi, c'est du bureau. Alors, est-ce que c'est de l'intendance ou ce genre de choses? Je pourrais pas être plus... D'accord. Mais j'ai vraiment cette notion de bureau.
Et pour moi, c'est un CDD de 6 à 8 mois qui se développe sur un CDI derrière. D'accord, ok. Mais c'est une entreprise dans laquelle vous n'avez jamais travaillé. D'accord. J'ai une notion de couleur un peu orangé-marron en termes de thème pour le logo de l'entreprise. Ok. C'est quelque chose qui est dans votre région, hein. Vous n'avez pas à déménager pour ça. D'accord, ok. Eh ben, c'est parfait. Mais là, effectivement, première quinzaine d'octobre, il y a des entretiens. Deuxième quinzaine, signature de contrat. D'accord. Parce que moi, avant les fêtes de fin d'année, c'est sûr que vous avez un travail. Hein. Ah, c'est super. Ah oui, non, on n'attend pas la fin de l'année. Là, en plus, vous êtes dans une période propice. Hein. Ok, bah c'est super. Donc, restez positive, Francesca. Il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive. Si je puis juste me permettre un petit conseil. Oui. On va vous poser beaucoup de questions pour vous pousser dans vos retranchements dans l'entretien. Laissez la possibilité aux dirigeants, j'ai un homme et une femme, aux dirigeants de vous proposer effectivement un poste de bureau. Ne vous dites pas, je ne peux faire que de l'usine, entre guillemets, de base. D'accord, ouais. Ok. Pour moi, montrer que vous êtes capable de faire quelque chose de bureau, c'est possible aussi. Vous êtes quelqu'un, on explique, on montre, on forme et vous êtes capable de travailler. D'accord, ok, d'accord, c'est parfait. Voilà, alors ne raccrochez pas, peut-être vous allez pouvoir gagner notre fameuse consultation de 10 minutes gratuite en antenne en trouvant la carte qui est devant moi. Le 4. Effectivement, c'est le 4. Je vous félicite. Alors, la carte numéro 4, vous l'avez gagnée. Vous avez une consultation de 10 minutes gratuite. Je vous demande, Francesca, de ne pas raccrocher pendant que les téléspectateurs ont une courte pause. Et je vous retrouve tout de suite au 32-55. La touche étoile, profitez-en, c'est la pause. Je reviens tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de 10h30 à 13h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur votre plateau de l'émission Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors nous sommes toujours le lundi 26 août, alors non, peut-être non, nous avons basculé au mardi 27 août, et je vous accueille sur ce plateau en direct. Alors composez rapidement un seul numéro, il y en a un, c'est le 3255, puis la touche étoile pour venir directement sur le plateau. Alors vous l'avez vu, Francesca a gagné la consultation gratuite, mais ça ne vous empêche pas, vous pouvez avoir vous aussi votre consultation. Et je vous rappelle une deuxième fois le numéro, le 3255 et la touche étoile. À tout de suite, et moi je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anne. Anne, on s'est déjà eu, Anne? Oui. Alors je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue pour cette nouvelle saison. Aussi. Je vais prendre, s'il vous plaît. Pour le mariage, j'ai entendu. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors ça va être la soirée, tout le monde va me le dire, je suis content. Alors Anne, s'il vous plaît, votre date de naissance? Le 3-1-74. 3-11-74, on est d'accord? Non, le 3-1. 3-1. Le 3 janvier. Allez, vous êtes capricorne comme moi. Allez, soyons fous. Alors, Anne, quelle est votre question, s'il vous plaît? Sentimentale. Sentimentale. Il y a une personne que l'on doit aborder, s'il vous plaît, Anne. Là, pour l'instant, j'ai pas de rien en particulier. Alors, moi, j'ai quelqu'un. Je vais vous préciser ça. Cheveux bruns. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est de derrière, de votre passé. Ça serait peut-être, je sais pas en fait, peut-être le père de mon fils, mais bon, j'ai plus de nouvelles. La lettre J. J? Oui. Non, J. R. Non, c'est J. J'ai la lettre J. Jean-Pierre, Jean-Philippe, quelque chose comme ça. Non, non. Parce que moi, là, dans ce que je ressens, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de préparation à une nouvelle relation sentimentale. Votre nouvelle relation sentimentale, elle arrive sur fin octobre, début novembre.
Mais j'ai cette idée de prénom composé avec Jean en premier un J. Non. Vous n'avez jamais une relation avec quelqu'un qui pouvait s'appeler Jean-Pierre, Jean-Philippe, ce genre de choses? Jean-François. Hein. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de votre passé, que vous connaissez de votre passé. Alors, vous n'avez peut-être pas eu de relation sentimentale avec cette personne, hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé, qui est brun, et qui est dans votre univers, qui réapparaît dans votre univers sur la période de... Oui, octobre-novembre, pour moi. C'est quelqu'un qui réapparaît. Mais c'est on parle vraiment de long terme, hein. C'est-à-dire que pour moi, on est à 15-20 ans en arrière. Et là, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans une démarche de vouloir vous montrer que c'est quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, c'est quelqu'un qui est très sensible à tout ce qui va être peinture, sculpture. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art, de manière générale. Moi, a priori, c'est quelqu'un qui travaille justement dans l'art. Donc ça peut être quelqu'un qui a une galerie, ou quelqu'un qui va être antiquaire, ou ce genre de choses. Ou ça peut être aussi commissaire-priseur. Enfin voilà, il y a une histoire d'art, il y a une sensibilité à l'art, il y a quelque chose comme ça. Ça peut ne pas vous parler là dans l'immédiat, hein, ça peut venir plus tard. Hein, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui apparaît sur fin octobre, début novembre de cet aspect-là. Ah, parce que vous m'aviez parlé qu'il y avait peut-être un retour avant qu'on avait terminé de mon ex. Alors donc, du coup, je suis troublée. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Pour moi, c'est indéniable. Votre ex, c'est quoi son prénom? Régent, R-E-G-E-N-T. Et sa date de naissance ? 30 janvier 76. 30 janvier 76, c'est ça ? Oui. Oui, lui, il est en construction, ça c'est clair. Vous aussi ? Mais l'histoire de... Il est brun, cet homme-là ? Oui. Il a un lien avec l'art ? Non, il travaille... C'est Bisman, c'est des trucs chauffage, etc. Parce que moi, j'ai vraiment cette notion d'art. J'ai cette notion d'art qui ressort. J'ai quelqu'un qui revient de votre passé. J'ai quelqu'un qui est brun. Alors effectivement, moi, j'avais la lettre J, un prénom composé. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui réapparaît de votre passé et qui est une relation constructive. Après, là, votre ex, il est en construction, vous êtes en phase de construction, donc l'un et l'autre, ça peut matcher aussi. Mais je ne sais pas ce que viendrait faire, excusez-moi l'expression, ce que viendrait foutre ce J ou Jean-Pierre ou Jean-Philippe ou Jean-François là-dedans, dans cette histoire. Parce que pour moi, si vous voulez, on a vraiment quelqu'un qui revient de votre passé. Là, votre rupture, elle date d'il y a plus d'un an ? Ah oui, il y a 2 ans. D'accord. Donc ça peut être effectivement ça, mais... Vous m'aviez reparlé qu'il y avait mon ex qui allait revenir, donc vous aviez trouvé que c'était le régent, donc là vous me prenez encore la nôtre. Parce que pour moi, si vous voulez, j'ai quand même cette histoire de personne qui revient de 15-20 ans en arrière. Parce que c'est indéniable, je vous sens repartir sur des périodes de votre jeunesse, en discussion, en échange, en partage, mais ça peut être conjoint à Régent et être en même temps. Pour moi, ce Jean-Pierre, Jean-Philippe, Jean-François, je ne sais quoi, ce Jean quelque chose, il a un lien dans votre reconstruction sentimentale. Mais il peut aussi n'être qu'une étape de votre vie sentimentale et de votre évolution sentimentale. Régent, vous m'avez dit 30 janvier 76, hein? Et vous m'avez dit qu'il était plus dans un métier manuel. Il est chef maintenant dans une entreprise, quoi. Chef dans une entreprise. C'est une entreprise de quoi? C'est Bisman, ils font tout ce qui est maintenant pompe, ballon d'eau chaude. D'accord, ok. Oui, donc ça n'a rien à voir avec l'art, quoi. Hein. Pourtant, moi, on me parle d'art, ça ressort beaucoup. Très sincèrement, à moins qu'il fasse avec les pompes à chaleur et ce genre de choses des œuvres d'art, ce qui est possible aussi, mais... Non, je crois pas. Je...
Moi, je suis désolé, j'insiste lourdement, Anne, mais ce Jean-Pierre, ce Jean-Philippe, Jean-François, je ne sais quoi, il a quelque chose à voir dans votre reconstruction sentimentale. La difficulté aujourd'hui, c'est que vous avez encore beaucoup Régent dans la tête. Ah oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Et que moi, j'ai quelque chose d'autre derrière qui contredit le tout. J'aurais plutôt tendance à vous dire, Jean-Pierre est une étape de votre reconstruction, votre reconstruction sentimentale, et que Régent peut arriver derrière pour positionner quelque chose de constructif, puisqu'il est en construction, lui, de son côté. Parce que lui, par contre, il avait quelqu'un, quoi. C'est ça que je comprenais pas, comment que ça se faisait qu'il allait faire un retour, parce qu'on est en même en froid, quoi. Vous avez le prénom de la personne avec qui il est ? Anaïs. Et sa date de naissance ? Alors là, je sais pas du tout. Parce que je sais qu'elle travaille avec lui, qu'ils vivent ensemble, quoi, je sais pas plus. Moi, je le sens pas. Quand vous me dites Anaïs, je le sens pas comme étant quelque chose de constructif pour lui. Pour moi, ce n'est qu'une étape de sa vie, cette femme. Comme pour prendre conscience de quelque chose. C'est d'ailleurs ce que j'ai dû vous dire la dernière fois, parce que ça me dit quelque chose, maintenant. Oui, parce que vous aviez dit que ça ne marchait pas entre eux, et puis que... Parce que moi, j'ai cette relation professionnelle, mais je n'ai pas cette relation sentimentale au long terme entre deux. Je serais assez d'avis de vous dire, par rapport à ce qu'on décortique dans notre consultation de ce soir, que Jean-Pierre, Jean-Philippe ou Jean-François ou Jean, je ne sais quoi, Jean-Xavier, Jean-Bernard ou Jean-Raphaël, c'est quelqu'un qui vous remet pied, redonne confiance en vous, qui vous fait avancer sur quelque chose. Mais Régent peut réapparaître derrière comme étant une relation constructive, parce que vous êtes tous les deux en construction l'un et l'autre. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans une... J'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une époque où là, vous allez avoir plusieurs choses qui vont se bousculer, je dirais. Et il faut vraiment refaire le point qu'au début de l'année 2014, parce que vous allez voir que beaucoup de choses auront changé. Mais dans le sens positif du terme. Mais je ne serais pas surpris que ce genre quelque chose arrive d'abord et qu'après, Régent arrive pour une construction derrière. Mais en tout cas, avec cette Anaïs, il n'y a rien de constructif pour moi entre deux. C'est impossible. Mûrissez tout ça, posez les choses, laissez les choses se faire. Anne, vous allez voir, les choses vont bouger dans les prochaines semaines. De toute façon, c'est une certitude. Il y a des gens qui reviennent de votre chemin passé. Oui, c'est ça qui m'avait en fait perturbé quand vous passer. Oui, mais il faut que là maintenant, vous laissiez les choses se mettre en place pour que ça avance correctement. Et point de vue financier vous... Et malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Anne, je suis désolée, je ne peux pas aller plus loin, sinon nous allons être coupés. Oui. N'hésitez pas à rappeler, je suis là toute la semaine si vous avez besoin, Anne. Oui, je rappellerai cette semaine alors. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente nuit, à bientôt. Vous. Au revoir. Au revoir. Alors si, comme Anne, vous m'avez déjà consulté, vous pouvez rappeler aussi pour faire un complément de consultation, pour me dire c'est bien ou c'est pas bien, ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Eh bien, effectivement, je vous répondrai toujours sans complaisance et je vous rappelle une nouvelle fois une seule chose. C'est le numéro que vous devez composer pour arriver tout de suite sur ce plateau. Je vous attends. Mais que faites-vous? Le 3255 vous attend et la touche étoile pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, alors appelez-moi Thomas parce que monsieur, j'ai l'impression de... Ouh là là. Voilà, bon, c'est Geneviève, je vous téléphone pour savoir financièrement. Alors, Geneviève, bienvenue Geneviève. C'est la première fois que vous m'appelez Geneviève ? Oui. D'accord, alors je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. Sur le 5-7-56. Le 5 juillet ? 5 juillet 56. 56, ok, super, parfait. Vous nous appelez de quelle région ? De Nice. Ah, de Nice, la Côte d'Azur. Ah, on est bien. Vous êtes bien, d'accord. Bon, c'est bon. Alors. Parfait, Geneviève. Alors, ma chère Geneviève, vous voulez savoir comment financièrement ça va s'arranger, vos histoires? Oui, voilà, oui. Oh là là, oui, on a chaud aux fesses, si je puis me permettre, ma chère Geneviève. Oui. Oh là là, on se dit, oh là là, est-ce que ça va passer? Oui, parce que là, franchement, je commence à avoir marre de cette situation. Je me suis mise en... Dans une situation assez pénible. Oui, alors, vous êtes quand même dans une meilleure étape, là. Une meilleure étape qui arrive, là, à partir de septembre-octobre. Moi, j'ai eu une histoire de remboursement. Il y a quelque chose qui vous est remboursé, une somme d'argent qui vous permet d'être plus rassuré financièrement.
J'ai l'impression que vous avez quand même, si je peux me permettre, Geneviève, vous avez quand même pas eu de bol parce que on s'est souvent pas servi de vous, mais vous avez été souvent abusée financièrement. Oui, c'est exact, ouais. Et je pense que maintenant, le jour, juste au retour des choses, va se mettre en place. Ah, ben ça va. Alors. C'est plus septembre-octobre pour moi, hein, quand même. Septembre-octobre, parce que j'attends qu'on me libère, voilà, c'est ça le problème. Et moi, j'ai un remboursement qui arrive. J'ai un remboursement qui arrive sur cette période de l'automne. C'est quelque chose qui vous fait reprendre un bol d'air. Hein. Et puis, ça va vous permettre de rembourser certaines choses pour être confortable. Ah, ben ça va. Et là, c'est vrai que j'ai dû me mettre sous protection et je voudrais savoir quand je vais partir, quand ils me lâcheront. On dit l'automne encore, hein. On dit vraiment l'automne. Hein. L'automne. Oui, l'automne. Alors, l'automne, c'est fin septembre jusqu'à début décembre, quoi. Hein. Ah, je vais te libérer quand même. Ah oui. Oh, ah, c'est génial. Oui, pour moi, oui. Oh, ça fait un moment que je suis. Mais pour moi, c'est vraiment cette image de bol d'air. Je vous ressens reprendre un bol d'air. Ah bah oui, parce que là, il me serre la ceinture, là, carrément. Ah bah, c'est plus que serrer la ceinture, là. Vous avez juste ce qu'il faut pour vivre, quand même, hein. Oui, juste, oui. Ouais. Pas droit à l'écart, pas droit aux petits plaisirs. Rien. Même pas les vacances, rien. Bah, heureusement que vous êtes à Nice, hein, parce que si vous étiez à Lille... Oui. Hein. Mais non, il y a vraiment quelque chose qui bouge sur septembre-octobre, pour moi, en tout cas... Ça commence à bouger sur septembre-octobre et c'est classé pour mi-décembre plus tard. Ah, ben génial. Hein? Si on me libère, je pourrais... Ça reste vraiment sur 2013, j'ai pas d'hésitation là-dessus. Ah, ça c'est génial, je pourrais retrouver ma liberté, quoi. Oui, bah, je crois que le petit oiseau Geneviève a vraiment besoin, parce que se faire couper les ailes, c'est pas facile et c'est pas possible pour une Geneviève. Hein? Là, je me sens emprisonnée, là, carrément. Voilà, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, la libération arrive. Vous allez être ensuite sur l'année 2014, et 2015, sur de la construction. Donc vous allez avoir de nouveaux projets, ce sont des choses positives qui vont vous arriver. Je n'ai pas d'inquiétude pour vous, Geneviève, pour moi. Ah ben, merci, c'est génial. Donc restez positive, ma chère Geneviève. Les choses vont se mettre en place correctement, pas d'inquiétude là-dessus. Vous êtes de toute façon dans une bonne phase. Allez, fin 2013, 2014, 2015, début 2016, on est vraiment sur quelque chose de positif. On a vraiment cet aspect de positivité. Ah bah tant mieux, parce que je pourrais vous retrouver mes chéquiers, ma carte bleue. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Vraiment, là, on a le soulagement. Je vous sens vraiment ce bol d'air. C'est le soulagement. Ah bah tant mieux. Ah bah je pensais que c'était plus loin que ça, vous savez, parce que... Non, pour moi, je suis. Non, ça m'inquiète. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour vous, Geneviève, vraiment. Là, vous m'appelez à un moment où les choses se mettent en place. Ah, mais c'est super. Ça, c'est. Ouf, c'est un ouf de soulagement. Alors, on reste positive, on garde le cap et on avance. D'accord. Alors, ma chère Geneviève, je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous remercie de votre bonne humeur et de tout le soleil de Nice que vous nous avez envoyé ce soir. Et je vous dis à très bientôt. D'accord, merci beaucoup, monsieur. À bientôt, au revoir. Et bonne Alors, soirée. Nous allons faire une courte pause. Je reviens dans quelques instants. N'hésitez pas à appeler le 3255 et la touche étoile, car dès mon retour, nous ferons la question confidentielle. Alors, composez vite le 3255, la touche étoile, pour la question confidentielle. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de 10h à 13h. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Rebonsoir, vous êtes toujours sur votre plateau confidentiel pour votre émission de voyance préférée en direct. Je voulais annoncer avant notre courte pause, c'est la question confidentielle. Alors je vous rappelle rapidement le principe, c'est très simple. Je suis le seul à entendre le téléspectateur ou la téléspectatrice. J'essaie de me taire et de ne pas donner le prénom pour ce respect confidentiel. Je synthétise un petit peu les choses, comme ça vous pouvez à peu près suivre la consultation. Pendant ce temps, n'oubliez pas le 3255 et la touche étoile et moi j'accueille mon téléspectateur ou ma téléspectatrice pour la question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. D'accord, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. D'accord, quelle est votre question s'il vous plaît? Sentimental, d'accord. Est-ce qu'il y a une personne à aborder? D'accord. Alors, je résume pour les téléspectateurs pour qu'ils nous suivent. Vous appelez pour savoir quel sera votre avenir sentimental. Vous n'avez pas de personne aujourd'hui autour de vous, donc on va aborder ce sujet. Alors, regardons un petit peu ça. Oui, vous êtes en période conflictuelle sur le domaine sentimental, donc on va prendre un petit peu de temps avant que les choses se mettent en place. J'ai plus l'impression que pour vous, c'est la période, dans ce que je ressens pour moi, c'est printemps 2014, printemps-été 2014. Là, c'est pas la période très propice pour vous sur l'univers sentimental. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui recherche à réapparaître de votre passé, mais que vous n'avez pas envie de revenir dans cette relation sentimentale. Ça va être quelque chose qui va devoir prendre du temps, cette reconstruction sentimentale et cette construction constructive, enfin cette relation, pardon, constructive. Hein. Pour moi, si vous voulez, c'est plus sur cette période-là que vous allez pouvoir avoir une reprise, enfin une relation, un début de relation sentimentale constructif. Alors, oui, c'est effectivement ce que je vous ai dit, un ex qui revient, mais que vous ne voulez pas à ce moment-là. Mais après, c'est une autre rencontre que vous faites sur la période du printemps de l'été 2014 qui, là, sera une relation constructive. Votre ex, je ne sens pas que ce soit quelque chose qui puisse fonctionner au long terme, tous les deux. Hein ? J'ai l'impression que vous avez besoin d'abord de temps avant de pouvoir vous décider sur ce que vous souhaitez réellement dans une relation sentimentale. Il y a cette réapparition de votre ex que vous ne voulez pas parce qu'effectivement cette personne revient pas avec les intentions que vous souhaiteriez que cette personne ait. Et ensuite, vous ferez une nouvelle rencontre sentimentale sur le printemps-été 2014 qui vous permettra effectivement d'être dans une relation constructive, sereine et saine. Mais effectivement, il vous faut attendre jusqu'à cette période-là pour pouvoir y arriver. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Alors, moi, je peux vous donner des traits très, très faibles hein, de cette personne, dans le sens où je la vois de dos. Donc, je ne pourrais pas vous donner beaucoup de caractéristiques physiques. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez grand, aux alentours d'1m75 à 1m80. C'est quelqu'un qui a les cheveux châtain clair, pour moi. C'est quelqu'un qui a un univers professionnel où il doit s'habiller en tenue smart, quoi. Enfin, je sais pas. Hein. J'ai quelqu'un d'assez dynamique, mais je ne pourrais pas vous donner plus d'aspect physique de cette personne. Et donc, bien évidemment, je ne peux pas vous donner la couleur des yeux puisque je vois cette personne de dos. Non. Donc, là, j'ai vraiment plus le... J'ai plus l'impression que vous avez besoin de temps avant de faire cette rencontre, Angélique. Définissez vraiment ce que vous voulez dans une relation sentimentale. D'accord ? Alors, Angélique, restez positive, laissez le temps avancer pour vous et surtout, faites en sorte d'être dans une démarche positive. Alors, je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente soirée. C'est très gentil, merci beaucoup. Au revoir.
Alors vous avez vu, j'essaye, pourtant je me concentre, hein, mais non, je suis trop tête en l'air, je suis trop dans ma consultation, et effectivement, bah, je lâche les prénoms. Alors ne m'en veuillez pas, je vais progresser, vous allez voir, à la fin de la semaine, je ne le ferai pas. Enfin, peut-être ce sera un nouveau challenge que je devrais avoir. Alors je vous rappelle une chose, composé le 32-55, nous avons terminé notre question confidentielle, qui l'était finalement plus trop à la fin avec moi. Malheureusement, et je m'en excuse auprès de cette téléspectatrice. Composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle que notre émission est courte. Alors composez rapidement le 3255 pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Je vais vous demander juste de couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Merci beaucoup. Votre prénom, s'il vous plaît. Leïla. Dalila, c'est ça? Non, Leïla. Leïla, pardon. Excusez-moi. Alors, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance, Leïla. Donc, c'est le 1er octobre 72. 72, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, 1er octobre 72. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder. Quelle est votre question? Je veux savoir si je veux déménager bientôt ou dans quelques... je sais pas, si je déménage ou pas. Vous voulez savoir si vous allez déménager ou pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, vous avez votre téléphone qui doit être habité ou je ne sais quoi, parce que j'ai une sonnerie aiguë extrêmement désagréable. Oui, je l'entends aussi, mais c'est bizarre. Alors, chez moi, on dit qu'il y a de la merde dans le tuyau, mais ça ne le fait pas trop. Donc, on va dire qu'il y a de la friture sur la ligne. Oui. On va essayer de se le faire rapidement. Donc, votre déménagement, pour moi, vous avez coupé le haut-parleur, Leïla? Oui, je l'ai coupé, oui, bien sûr. D'accord. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est bizarre. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, ma chère Leïla, on est parti, on est au taquet. Alors, votre déménagement. Alors, votre déménagement, il peut pas intervenir avant le début de l'année 2014, pour moi. C'est vrai? Janvier-février 2014. Vous oui. Faites vos cartons avant la fin de l'année, parce que moi, je vous vois passer les fêtes quand même avec un petit peu de carton, ce genre de choses. Oh, ça serait magnifique, hein. Mais effectivement, c'est au début de l'année que vous déménagez réellement. 2014, pour moi, ça c'est clair. Début de l'année 2014, oui. Vous êtes sûr? Début d'année 2014, oui, tout à fait. Et ça sera bien pour moi ou de changer ou pas? Ah, mais si je puis me permettre, il est temps que vous changiez. Oui, c'est ça, c'est que j'attends ça depuis... vous voyez à peu près si c'est un courrier ou... Parce que j'ai fait une demande, en fait, de changement d'appart. Ben, de toute façon, votre demande, elle ne peut être acceptée qu'à la fin de l'année parce que pour moi, c'est une histoire de commission et que cette commission ne se réunit que fin novembre, début décembre. Très bien. Et donc, effectivement, c'est une requête. La requête que vous avez faite est acceptée. Oui. Oui. Voilà, vous aurez ce que vous avez demandé à quelque chose près. Je ne peux pas vous dire exactement si c'est à 100%. A priori, ça ressemble énormément. On est vraiment, je dirais, presque à 99% de ce que vous avez demandé. Oui. Donc, c'est très bien. C'est très positif. Très bien, pour vous. Oui. Et puis, c'est bien. Vous avez été patient. Les choses se mettent en place. C'est très bien. C'est génial. Bah oui, c'est magnifique. Hein? J'ai du mal à y croire un peu, mais bon. Voilà, c'est pas la fête de la cacahuète, mais presque. Bah, ce sera Noël après Noël. Vous aurez votre déménagement juste après. Et sinon, est-ce qu'il y aurait une possibilité de poser une autre question? C'est juste pour savoir si je rencontre quelqu'un en même temps ou pas. Alors, très rapidement, on va faire ça, Leïla. Alors, en termes de rencontre pour moi, par contre, là, j'aurais plus sur l'été 2014. C'est lié effectivement à votre déménagement parce que c'est une histoire géographique. Vous êtes proche géographiquement de cette personne. Ah, d'accord. Et effectivement, oui, moi, je n'ai pas avant l'été 2014. Hein, on me le répète. D'accord, très bien. Parce que si vous voulez, dans cette démarche-là, vous avez besoin de changer d'univers pour faire une nouvelle rencontre. Tout à fait. J'ai l'impression qu'une fois que j'aurai déménagé, parti d'ici, je pense que là, il y aura quelque chose. Il y aura une rencontre sérieuse. C'est parce ça. Parce que les rencontres, j'en fais, mais sérieuses... Constructive et sérieuse, oui. Voilà, tout à fait. Et juste un petit détail sur 2014, c'est une année très importante pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le bon sens et ça va effectivement vous permettre de vous construire sur du long terme dès début 2015. Oh, magnifique. En fait, 2014, c'est vous préparer... Les années qui viennent. Magnifique. Bah écoutez, j'aurais pas mieux dit que Christina, effectivement. Magnifique, c'est le bonheur, tout va bien. 2014 est une belle année. Bah là, on pourra dire bonne année, joyeuse Pâques, bonne fête des mères, et ainsi de suite. C'est sûr.
Bon, en tout cas, merci. Mais de rien, Leïla, c'était un plaisir. Merci de votre bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée. Une excellente soirée à vous aussi. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez venir pour une question de vente immobilière, un déménagement, une question d'amour, professionnel, financière. Eh bien, il y a une seule chose à faire. Prenez votre téléphone, qu'attendez-vous? Le 3255 et la touche étoile, c'est quand même pas très compliqué. Alors, je vous attends avec impatience au 3255 et la touche étoile. Et je dois avoir un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci. C'est Agnès. Agnès, on s'est déjà eu, Agnès? Oui. D'accord, alors je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 22-12-57. Ah oui, bah oui, 22-12. Oui, exactement. Alors, Agnès, posez-moi votre question, s'il vous plaît. C'est au sujet de Claude. Ah oui, c'est vrai, Claude. Oui, je n'ai plus de nouvelles. Alors, sa date de naissance à Claude, s'il vous plaît. Le 6-06-61. D'accord, vous n'avez aucune nouvelle, on est d'accord là-dessus, hein? Oui, les dernières nouvelles que j'ai eues, parce que je vous avais appelé en privé au 2 août. Oui. Et il m'a appelé, non, il ne m'a pas appelé, il m'a envoyé un SMS le 15 août. Ouais. Et j'ai plus rien. Ça va revenir, première quinzaine de septembre. Oh, mon Dieu. Bah, c'est la semaine prochaine, hein? Ouais, mais il part en vacances. Il part le week-end prochain? Non, il m'a dit qu'il partait avec elle du 28 au 7 septembre. Oui, bah c'est bon, première quinzaine de septembre, on est bon, pas de soucis. De toute façon, c'est une cruche, hein, cette nana-là. Hein. Bah, c'est sa femme. Hein. Bah, excusez-moi, c'était peut-être un peu... Oui, non, mais c'est bien, non, il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est sorti comme ça, là, hein, voilà. Non, alors, je vais m'expliquer un petit peu, parce que oui, c'est un peu sorti de son contexte, effectivement. Dans le sens où, effectivement, pour moi, oui, c'est une cruche, on la pose sur un pot de fleurs, il ne se passe rien, quoi. Tu veux dire, ce n'est pas l'extase entre deux, hein. Pour moi, si vous voulez, il va vraiment... Enfin... Entre deux, il n'y a pas d'histoire de phallus, quoi. Donc, de toute façon, il ne faut pas chercher là-dessus. Cette femme-là et lui, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, de toute façon, pour moi, c'est clair. Il est obligé de reprendre contact avec vous. Là, il est bloqué. Il y a un truc qui le bloque. Je pense que c'est elle qui le bloque, d'ailleurs, parce qu'il y a un blocage lié au fait de... Je veux essayer de ménager la chèvre et le chou. Et c'est pas facile. Il va se rendre compte que, de toute façon, ce n'est pas faisable. Et derrière, pour moi, il y a bien une reprise de contact et de communication, première quinzaine de septembre, ça c'est clair. Oui, parce que ça commence un peu ça vous court sur l'haricot, quoi. Oui. Ouais, je comprends bien. Oui, c'est vrai, je suis d'accord là-dessus. Mais en tout cas, Agnès, moi j'ai vraiment... Il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment une action de la part de Claude, là... très prochaine, dans les prochains jours, prochaines semaines. On n'attend pas novembre, quoi. D'accord. Parce que moi, je ne bouge plus. Hein. Moi, avant, je faisais encore le... Mais là, je ne fais plus rien du tout. Hein. Là, je ne le contacte même plus rien du tout. Moi, non, mais c'est lui qui va revenir. Chose, parce que pour moi, c'est lui qui revient. À l'issue de son voyage, c'est lui qui revient. D'accord. Parce que normalement, il n'était pas censé partir. Et puis là, maintenant, il part. Une fois, il dit oui. Une fois, il dit non. Ben oui, c'est parce qu'il veut ménager la chèvre et le chou. Voilà. Mais bon, je comprends que ça vous court sur l'haricot, sans vouloir ressortir toujours mes phrases, mais... Non, mais c'est bien. Gardez encore un peu de patience. Moi, vous m'avez eu en privé, donc vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche. Mais sérieusement, Agnès, allez, tenez 15 jours, là. 15 jours, 3 semaines et... Non. Ah oui, bah, de toute façon, hein, moi, je continue à faire les choses que j'ai à faire, que je faisais pas avant. Hein. J'ai recommencé à prendre ma vie en main. Hein. Bah, j'espère bien. Hein, parce que moi, si j'ai pas ma langue dans ma poche, vous, il faut que vous ayez votre vie bien dans le bon chemin et bien dans votre main pour avancer dans une bonne direction. Ouais, exactement. Mais bon, ça fait mal quand même. C'est pour ça, c'est douloureux, quoi. Vous savez, quand on a des sentiments pour une personne, c'est dur que d'un côté, il sait pas ce qu'il veut à son âge. Je sais pas, quoi. Ah, oui, je suis d'accord avec vous. Mais vraiment, Agnès, soyez... Prenez la direction que vous avez déjà prise, là. Continuez dans ce sens-là, vous allez voir, Claude, il va se rattacher au wagon. Pour moi, c'est clair. D'accord. Hein?
enfin, au wagon, à la locomotive, parce qu'Agnès, quand, bah oui, j'ai compris. En fait, Agnès, elle attend, et puis après, pour la suivre. Ouais. C'est mais ça. C'est pas grave, vous avez le droit d'avoir votre caractère, il a le sien. Maintenant, à lui de s'adapter. Ouais, d'accord. Allez, bon courage, Agnès. Je vous embrasse. Oui, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée, à bientôt, bonne nuit. Merci, au revoir. Alors, vous avez vu, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et faut pas que ça me court sur l'haricot non plus. Ben voilà, c'est mes super phrases. Alors, si vous aimez les phrases, composez le 3255. Si vous ne les aimez pas, ben, composez quand même le 3255 parce que je vous attends sur le plateau. Je vous rappelle une chose, c'est la touche étoile pour arriver sur le plateau. Ne vous trompez pas. Je vous attends donc au 3255 et je prends tout de suite un nouvel appel. S'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir, Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît. Audrey. Audrey, on s'est déjà eu, Audrey ? Oui, une fois. J'ai pas entendu, excusez-moi. Oui, une fois, oui. Ok, oui. Super. Alors, maintenant, on va faire la deuxième fois, Audrey. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 4 janvier 1978. Ah là là, mais on a beaucoup de Capricorne ce soir. Merci pour cet honneur. Alors, ma chère Audrey, quelle est votre question ? Eh bien, ça serait au niveau sentimental. Oui. Voir un peu l'évolution de ma vie. J'ai une personne à parler avec une date de naissance, là, il faut que vous me donniez ça. Alors, Alain. Alain, c'est ça ? Oui, 19 février 52. Il y a une communication qui est inexistante en ce moment entre vous, hein ? Oui, oui, oui. Ouf ! Ouh, aïe, aïe, j'ai l'impression d'être sur des braises, là. C'est... j'ai l'impression d'être sur des braises. Heureusement, parce que si c'était vraiment la vérité, j'étais sur des braises, ce serait pas drôle. Moi, je suis un peu embêté là, parce que, en fait, si vous voulez, vous êtes encore dans la petite période compliquée, là, Audrey, avec Alain. Ah oui, c'est très, très, très compliqué, là. Ça reste tendu quand même sur toute l'année 2013. Je sais pas si c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, mais pour moi, ça reste tendu jusqu'à la fin de l'année 2013. Hein. Jusqu'à facile novembre, pour moi. Oui, c'était à peu près ça. Parce que... Ouais, c'est vraiment tendu comme un string, quoi. C'est vraiment l'expression. J'ai l'impression que c'est, vous êtes deux étincelles et dès que ça s'approche, ça fait un éclair. Moi, c'est même pas... C'est pas ça, c'est qu'il est marié et que... Oui, enfin, ce serait malheureusement pas le premier qui serait marié. Ça, j'ai pas de souci là-dessus, entre guillemets, dans le sens où je suis OK là-dessus. Mais pour moi, je trouve que c'est très électrique entre vous et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la bonne période. Il faut attendre encore un petit peu pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Je pense sincèrement qu'Alain va pouvoir avancer sur une étape différente, mais que vous êtes extrêmement agacé de cette situation. Oui, puisque c'est le silence total en ce moment. Moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, Audrey, restez positive. C'est souvent ce que je dis, hein, je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais restez positive, il y a une communication qui va se réinstaurer plus positivement sur la fin de l'année. D'accord, donc là, il n'y a plus de communication jusqu'à la fin de l'année. Non, je vous parle de communication positive. Donc ça veut dire que la communication pour moi, elle reprend sur fin septembre, deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre, et qu'effectivement elle est positive que sur novembre-décembre. D'accord. Hein ? Donc ça c'est important dans le sens où vous avez une certaine progressivité qui avance et qui vous permet de vous repositionner l'un et l'autre. Mais pour moi, j'ai vraiment tendance à vous dire que là, ça sert à rien de forcer, de précipiter les choses, parce que de toute façon, c'est pas le bon moment. Oh ben non, chez lui, c'est l'horreur pour lui en ce moment, donc c'est clair que c'est pas le moment. Voilà. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, Audrey. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile pour vous, parce que vous avez l'impression de ne pas être aimé à votre juste valeur. Ça n'a pas de lien. Vous ne devez pas culpabiliser du fait qu'il soit déjà en couple, mais restez positive, les choses vont bouger. D'accord ? Je suis déjà arrivé à la fin de la consultation, Audrey, je suis désolé, nous allons couper. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse bien fort. Merci. À bientôt, au revoir. Alors nous allons tout de suite passer à notre question répondeur. Allô, bonjour.
bonsoir. Je vous appelle du Loiret. Je m'appelle Nathalie. Je suis née le 30 août 45. J'aimerais savoir quelle sera l'évolution de ma relation sentimentale avec mon ami qui est né le 11 juin 39. Est-ce qu'il y aura un retour? En ce moment, je n'ai aucune nouvelle de lui. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Alors, je vous remercie Nathalie pour votre question. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible et le plus fidèlement possible. Dans votre situation, Nathalie, aujourd'hui, vous, vous êtes en évolution et lui, votre ami, est en stagnation. Donc, effectivement, ce sont deux énergies qui s'entrechoquent et qui n'avancent pas dans la même direction. Donc, effectivement, ça reste quelque chose d'assez compliqué à gérer. Pour moi, Nathalie, l'évolution pourra se mettre en place seulement à partir du début de l'année 2014. C'est-à-dire que là, jusqu'à début décembre, on n'a pas d'amélioration de la situation, on n'a pas de concrétisation au long terme et on n'a pas de nouveaux projets qui se mettent ensemble dans la même direction pour avancer l'un et l'autre. Donc, malheureusement, vous devrez attendre 2014, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose au long terme. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous rappelle que je vous retrouve dès demain, même endroit, même heure, au 3255. Ne l'oubliez pas, passez une excellente nuit. Je vous embrasse bien fort et que la lumière soit sur votre chemin. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel. Thank you.
C'est quoi? Mais en tout cas, téléphone portable, votre fixe comme vous voulez. Alors, on va patienter un petit peu avec Thomas Dana. Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau pour cette nouvelle saison.